Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoshi's Island. Aujourd'hui on finit le monde 4. C'est parti pour ce niveau avec des cailloux apparemment. Et ça s'appelle... Emporter ce bois tout. Et je pense que ça va être un objectif principal pour réussir le 100%. Ce rocher s'appelle bois tout, il faudra le faire rouler partout pour terminer le niveau. D'accord. Pas de soucis, on va faire ça. Heureusement qu'il broie tout sauf le Yoshi. Parce que je peux me mettre sur sa route, je pense pas qu'il puisse me faire du dégât, donc... Donc ça c'est une bonne chose. Oh non, il est coincé. J'ai coincé mon broie tout. Qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Pièce rouge... Il y en a une autre là... Ok. Bon, je pense que ça va seulement m'apporter une vie. Oui. Mais au moins j'ai eu quelques pièces rouges. Donc c'est worth it. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose ici? Non. Dans mon souvenir, il y avait un nuage planqué ici. Mais bon, c'était vraiment que dans mon souvenir pour le coup. Toi va-t'en... Je voudrais tester ce truc là. Et il n'y avait rien. Seulement 3 étoiles. Allez, on va pouvoir décoincer le broie tout. Pour broyer encore plus de tout. Ouais, j'ai découvert quelque chose. Je vais pas le pousser trop loin, sinon il va dévaler la pente. Il faut que je le pousse un peu plus loin, sinon je peux pas tirer dans le nuage. Voilà. C'est parti. Plouk, plouk, plouk. Je vais vérifier qu'il y ait rien de ce côté. Et là, on a notre premier piège fourbe et vicieux qui serait de pousser le caillou, alors que non, ça le ferait seulement tomber là-dedans. Donc il faut d'abord tirer dans le nuage, je crois. Oui. Voilà, comme ça, le broie-tout peut rouler sur les escaliers. Et tout est bien qui finit bien. Je peux même prendre cette fleur. Si je l'emmène là-bas, est-ce que... Non, y a rien d'intéressant. Mais moi, je vais me refaire quelques œufs, donc c'est pas si mal. Encore un... Allez, je peux y aller. Alors... je voudrais bien qu'ils m'attendent. Le temps que je prenne ma pièce rouge. Et bon, tant qu'il disparaît pas, ça va. J'ai un peu peur qu'il disparaisse s'il sort de l'écran. Parce qu'il me reste encore 2-3 trucs à vérifier par ici. Est-ce qu'il y a rien dans toute cette... dans tout ce gruyère? C'est bien, pendant ce temps-là, le rocher vit sa vie. Sa vie de rocher épanouie. Ok, il n'y avait rien. Il vaut mieux être prudent de temps en temps. Plutôt que de refaire le niveau et... une deuxième fois. Okay, il va m'attendre là. Youhou. Je vais aller voir en avant ce qu'il y a. Ouais, ça a l'air tranquille, il peut y aller. Je suis babysitting de rocher dans ce niveau. Oups. Allez, arrête-toi là.
Ok, parfait. Je vais devoir le repousser un petit peu plus par là. Ok. Alors ici, je sais plus dans quel ordre. Je sais qu'il y a quelque chose de particulier à faire. Ouais, je me souviens maintenant. Il faut que j'égalise tout. Pour faire une sorte de passerelle pour le rocher. Allez, vite! Et voilà. Nickel. Je pense que sans passer par là, je peux même pas espérer avoir le 100%. Y a pas quelque chose ici? Je crois me souvenir qu'il y a quelque chose. Je vais attendre que la fleur réapparaisse. Si elle veut bien réapparaître un jour. Cocotte. Ok. Bon, je pensais qu'il y avait un nuage caché encore une fois. Mais non. Mes souvenirs sont trop bons, mais... pas au bon endroit. Ah. J'avais pas pensé à ça. Voilà. Ça m'a permis de gagner une fleur de passer par là. C'est pas mal. Toc. Et je crois que je m'approche de la fin du niveau. Donc, encore un petit peu de gelée. Qui est là? Une vie. Je m'en fiche. Ça va être rigolo. Oups. Mauvais timing. Et voilà. Bien joué, mon pote. Est-ce que j'ai toutes mes pièces rouges? Oui, il manque que des étoiles. Si je pouvais m'arranger pour en récupérer un petit peu sur le chemin, ça serait bien. Enfin bon. Encore une fois, les étoiles, c'est pas très compliqué à obtenir, donc... Au pire, ça me dérangerait pas trop de refaire le niveau juste pour avoir des étoiles. Mais j'ai une encore meilleure idée. Je vais essayer de tricher un petit peu. Oups. Bon bah tant pis. Je voulais faire des rebonds pour obtenir des étoiles, mais au final je vais devoir utiliser un plus 20. Tant pis. Il faut ce qu'il faut. Ah, et on est avec le Yoshi moche. Il est tellement moche qu'il gagne pas les jeux bonus. Pauvre Yoshi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le lac des flotteurs. Ah, je crois que c'est un niveau... C'est assez compliqué d'avoir 100% aussi dans celui-là. Oups, j'ai failli faire une grosse bêtise. Déjà, il faut penser à passer là en dessous. Voilà. Toc.
C'est déjà pas évident. Heureusement qu'ils ont mis des pièces ici pour nous indiquer qu'on pouvait y aller. Toc. Et voilà. Je crois qu'il n'y a plus rien ici. Manger ce poisson avant qu'il me mange. C'est la dure loi de la jungle. Alors, je peux pas entrer là. Oh. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire apparaître ces escaliers? Ouais, je vais le faire. On verra bien. Là par contre ça aurait été une erreur de faire apparaître les escaliers, ça aurait bloqué l'accès vers la fleur. Mais il y aurait eu moyen de la récupérer avec les carapaces de Koopa, donc au final c'était pas un drame. Ce jeu n'est pas si fourbe qu'il en a l'air au final. Oups. J'ai mal plané. Ah zut. Est-ce qu'il veut venir jusqu'ici? Non, il vient pas jusqu'ici. Je vais me servir de lui comme d'un tremplin. Et, sauf que je saute à côté, donc... Le bébé voudrait pas aller encore plus loin. Encore plus loin de moi, ça serait... Sérieux? Le bébé voulait pas revenir. Il doit pas aimer l'eau. Saleté de bébé. Ah, c'est pas sauver ton frère qui m'intéresse, hein, c'est faire 100%. Détruire les châteaux à l'explosif. Luigi, je m'en fiche un petit peu. Mais qu'est-ce que j'ai dans la bouche depuis tout à l'heure? Bon, je sais pas. C'est pas important. Oups, c'est trop tôt. Il doit y avoir une clé là-dedans, si je me souviens bien. Je suis pas certain. Ça doit être ça. Exactement, précisément. Tiens, tu retrouveras plus jamais ta coquille. Je vais avoir une étoile sur 5. C'est triste. Bon, est-ce que j'ai rien oublié? Y a quelques pièces qui traînent, mais c'est pas des rouges. Par ici, non, ça a l'air d'aller. Bon, ben, je vais continuer. Je vais aller faire un petit tour par là aussi. Il me semble qu'il est là, le jeu, voilà. Et qu'il y a quelque chose ici. Ah non, ici c'est là où je dois aller. Bon, je vais faire le jeu d'abord. Pourvu que ce soit pas notre lancer de ballon, c'est bon. Crevaison de ballon. J'espère que je vais avoir plus de chance que lui. Déjà, je suis un petit peu plus rapide. Bon, tant pis. De toute façon, je suis sûr que c'était un objet nul. Je suis même pas mad.
Allez, on continue. Petite pièce rouge, ça fait plaisir. Y'a rien qui traîne, y'a pas de secret. J'ai pas l'impression. Cette fleur-là, elle est pas super sympa. Par contre, si j'ai tous mes œufs, elle va arrêter de cracher des trucs. Voilà, maintenant elle est inoffensive. Et du coup, je peux prendre les fleurs plus facilement. Est-ce qu'il y a des pièces qui se cachent? Non, j'ai pas l'impression. Alors ça, c'est la transition la plus utile de l'histoire du jeu vidéo. Oh, le retour des gros crabes. Il va me manquer un... C'est pas grave, il va me manquer un œuf pour le tuer celui-là. Allez, cours-moi après. Allez! Voilà. J'avais pas fait exprès de me placer à cet endroit-là pour que le poisson se suicide sur mes pattes. Mais bon, ça tombait bien au final. Y'a rien dans l'eau... Si, y'a quelque chose dans l'eau. Faut toujours vérifier tout partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me souviens plus bien. Il me semblait bien que je pouvais l'avaler. Ça a l'air dangereux comme endroit. Ah, au moins il y a des pièces rouges. J'aime pas trop sauter comme ça vers l'inconnu. Quelques pièces rouges qui traînent par-ci par-là. Je récupérerai ça parce que c'est toujours utile. Ok. So far so good. Je veux pas descendre un petit peu plus bas. Bon bah voilà, j'ai fait le tour. Salut. C'est bien, ça m'a rapporté quelques pièces rouges. J'aimerais bien que le crabe se pousse. Je crois que j'ai plus rien à faire. Il y a vraiment des fleurs partout. Si tu tires dans le mur, je vais avoir du mal à attraper tes œufs. Allez, on continue. ...79 points. On s'approche de la fin. 80... Oups. Ah zut! Je vais prendre le bébé en passant, voilà. Ok, j'ai toutes les pièces rouges, j'ai toutes les fleurs, voilà. Il suffit que je termine le niveau. Avec des étoiles si possible. C'est pas des étoiles.
Tant pis, je vais utiliser un plus 20. Ah. Ok. J'aimerais bien passer au-dessus de cette plante pour éviter de la... de devoir la tuer. Juste parce que j'ai la flemme, en fait. Excusez-moi, je cherche la fin du niveau. On m'a dit que c'était pas loin, étant donné que j'ai 100%. Ah, sérieux, ils vont me laisser tranquille, ou... Ah, zut. Je vais attendre que ça remonte à 10. Avant d'utiliser le plus 20, parce que sinon, ça va pas bien marcher. Voilà. Et voilà. Ok, plus que deux niveaux dans ce monde. Ah, celui-là, je l'aime bien. Je crois que je m'en souviens. Ou alors, c'est pas du tout celui-là. Montagne russe. Non, c'est pas celui-là, en fait. À moins que... Je dois faire un mix. Je crois que je confonds. Je vais me servir des tortues pour remonter. Hop là. Ah oui, c'est une sorte de labyrinthe, ce truc. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Je vais repartir par là. Ou alors ça me balance dans le trou. Ouais, ça a plutôt l'air d'être un trou que quelque chose, donc je vais éviter d'y aller. Ouais, je vais pouvoir piquer ses enfants. Elle vient de perdre la garde. Au profit d'un Yoshi, ça la fout mal quand même. Il me semble qu'il y a quelque chose à trouver ici. Ah. Évidemment, il fallait que ce mec apparaisse de nulle part. Oh, une fleur. Ok. Est-ce qu'il y a... Faudrait que je me serve des fantômes pour sauter plus haut. J'avais pas vu qu'ils étaient qu'ils venaient de réapparaître. C'est juste, hein. C'est tout court comme saut. Ah, ça va pas le faire. Oh d'accord, il faut que je me serve d'un de ces trucs. Si les fantômes pouvaient arrêter d'apparaître dans mon dos, ça serait vraiment, vraiment très cool. Je vais quand même essayer comme ça. Un petit peu trop compliqué. Et comme ça. Ah, ah y avait... j'aurais pu passer. C'est compliqué quand même.
Ah, tout ça pour ça? Non, il doit y avoir autre chose. Ça peut pas être qu'un nuage de... d'étoiles. Ou peut-être que si. Bon, on verra à la fin du niveau. J'ai fait tellement d'efforts pour l'avoir, ce nuage. J'ai utilisé tellement d'astuces. Bon bah au moins les étoiles, c'est bon. Faut que j'évite de les perdre maintenant. Toc. J'ai pas la clé d'ici. Tant pis. Ah, je crois que j'ai raté des trucs. Hein. J'en suis presque convaincu. Allez, monte, monte, monte. Encore une fois, le bébé va partir à Pétaouchnok. Ça a été cette fois-ci. Beaucoup de pièces rouges ici. Je sais pas pourquoi. Bon, je vais pas me plaindre hein, pour une fois qu'elles sont bien en évidence. Ok. À mon avis, il faut pas que je reste sur ces trucs trop longtemps. Ah bah non, en fait j'ai tout. À part des étoiles, comme d'habitude. Ah là là, c'est pas vrai. Je vais devoir refaire le niveau pour des pauvres étoiles. Dommage. Bon, je vais le refaire maintenant en hors record. Je vous reprends tout de suite, salut. Ok, re tout le monde. Ça y est, je suis allé récupérer les étoiles. Et du coup, on peut se lancer dans l'aventure vers ce château de je sais plus trop qui. Château du coupage géant, tout simplement. Ils sont restés soft pour le nom, pour une fois. Fantôme. C'est bien, ça fait des œufs faciles. Encore ces poissons qui veulent me cracher de la lave dessus. Mais je suis pas vraiment d'accord. Oups. Tais-toi. Oups, mauvais côté. Je pense qu'il y a que des pièces à chaque fois dans ces seaux. Je sais pas si c'est vraiment la peine de les faire tomber. Il me semble que je peux pas passer au-dessus de la boule de pique. Allez, Is. Oh, Is. Oh, Is. Il y avait des petites pièces. Mais je pense que c'est le bon chemin pour commencer. Ah, peut-être pas finalement. Je me souviens plus trop de la disposition de ce château.
Ok. Ils auraient pu mettre directement les escaliers, ça m'aurait épargné 2 œufs. Bon, je peux passer sans me prendre la boule de pique. Et j'aimerais bien vérifier si... Ouais, ça me fait mal. Il me semblait bien que la chaîne me faisait mal aussi, mais... Il fallait que je sois sûr. Qu'est-ce qu'il y a par là? Une sortie. Là-haut, qu'est-ce qu'on a? Encore une sortie. C'est le château des sorties, ici. Ici, je crois que c'est la suite de là où j'étais tout à l'heure. Voilà, moi je suis descendu et si j'avais continué, je serais allé ici. Là, il y a un truc bien caché. Et nécessaire pour avoir les 100% en plus. Allez, murez tous. Yeah. Une pauvre pièce rouge qui est bien embêtante dès qu'on sait pas où elle est. J'ai pas la clé pour aller ici. Ok. Ah, il fallait que je prenne une tortue de là-haut. Tant pis, je le saurai pour la prochaine fois. Il faut aussi que je trouve un moyen de prendre cette fleur. Oui, il va falloir que je refasse tout le tour. C'est bon, je commence à avoir le plan du château dans ma tête. En allant là en bas, je pourrais retourner dans la salle et choper la fleur. Et après, je crois que j'aurai fini dans cette salle. Au moins, ça me fait des œufs. Et là, du coup, ça va tomber sur l'escalier. Et ça va faire un autre escalier. Et voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Je pense pas, non. Bon, je vais aller choper ma tortue et continuer le niveau. Toi, tu viens avec moi. Ah. J'ai raté quelque chose. Tant pis, j'irai le chercher plus tard. En plus, ça doit être une vie ou un truc qui sert pas à grand chose. La clé devrait être là, voilà. Je vais voir ce qui me manque quand même. Toc. C'était une vie. Ok, du coup je peux retourner là-bas avec ma toute nouvelle clé. Et ouvrir la porte qui me narguait tout à l'heure. Toc. On doit s'approcher de la fin du niveau. Si je me souviens bien. Ah, toi c'est mort, tu me piques pas mon bébé. Ça se pêche pas les bébés. Il est bon à la pêche.
comme je l'ai déjà dit, c'est pas le bébé qui m'intéresse, c'est les 100%. Bon, je pense que ça devrait suffire. Hop là. Et encore une fois, c'est pas possible, je vais... Ah, il y a peut-être moyen que je m'arrange. En tirant sur le boss, il me manque que 2 étoiles si j'arrive à me créer un œuf rouge. Je vais essayer de faire ça. Ah, non, j'ai raté. Voilà. Si je lui tire dans la tête, ça devrait faire spawn des petites étoiles. Je m'en ferai bien un autre au cas où. Il faut que je tire bien droit. Ouais. Un franc succès. Ok. Ok, bon. J'aurais dû réfléchir un peu et je me serais rendu compte que avant les boss, il y a toujours un checkpoint. Peu importe. Ce n'est pas parce que tu as ratatiné quelques tortues en route que tu as gagné. Koopa géant, écrase-moi cette vermine. Oh non, tu vas pas m'écraser. Oh que non. J'aime bien ce combat de boss. Je le trouve assez amusant. Allez. Come at me, bro. Là j'ai pas de... Oups. J'ai plus d'œufs. Heureusement c'est une tortue qui crache des œufs. Et bim. C'est bon, je peux aller me réfugier dans le coin le temps qu'elle se mette à sauter comme ça. Allez, sort. Arrête de changer de côté, c'est agaçant. Allez, debout. Fais face à ton destin. Vile créature. J'ai dit que le combat de boss était amusant, pas qu'il était difficile. Quoi qu'il faut bien viser quand même, 3 fois de suite et assez rapidement, sinon la tortue se remet sur ses pattes et ça n'a servi à rien. Enfin bon, c'est quand même pas très compliqué. Yeah! Plus que 2 niveaux. Plus que 2 niveaux à faire des 100%. Ah oui, puis... Il faut encore détruire ce château. Alors, on fait moins les malins maintenant, hein? C'est qui le monsieur? C'est moi. Bon, bah voilà, 4e niveau à 100%, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, et je vous souhaite une bonne journée. Salut, salut.